Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de ma toute nouvelle série sur le jeu sport. Et oui, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de ce jeu et il m'a été vachement demandé en tant que saison 2. Et ben, je vous ai compris et je vais en faire une, à partir de maintenant, c'est parti! Alors, on va prendre une planète, la dernière fois c'était ici, on va en prendre une un petit peu plus loin. On va prendre ici, allez. Alors, bien cette planète, océan vert et continent bleu. Ouais, c'est bien ça? Ou c'est l'inverse? Non, c'est bien les océans verts. Bon bah allons-y, phase cellule. On va recommencer depuis le début. J'avais pris quoi? Je crois que j'avais pris herbivore. Ou carnivore. Oh, je sais plus du tout. Bon bah dans le doute, je vais prendre carnivore. Hein. Aucun thème, ouais. Difficulté normale. Parce que difficile, c'est absolument atroce, sa phase tribu. Alors, nom de la planète. Wilda. Allez, Wilda. C'est parti. Attendez, je me replace sur la chaise. Voilà. C'est parti! Donc, première phase, phase cellule. Je vous invite d'ailleurs à regarder la saison 1 si vous ne comprenez pas comment fonctionne le jeu. Elle sera vachement explicative. Ça vous permettra de comprendre un peu les bases. Donc là, on va commencer par manger de la viande. La base. Il ne faut pas grand-chose. Par contre, j'ai un gros bide. Ça y est, j'ai augmenté en taille. J'ai changé de niveau. Et c'est parti les Pac-Man. Donc là il va se faire bouffer. Et ça va te donner. Voilà, ça libère l'élément clou. Et on va pouvoir aller le récupérer pour pouvoir l'équiper. Sauf que j'aurais clairement pas assez. Du coup on va aller voir ailleurs un peu si on y est. Ah, reviens là, je vais te bouffer. Yep. Non, non, tu me le laisses. J'ai dit que tu me le laissais. Voilà. Au pire, je te tue. Ça passe très bien. Allez, viens là. Ah, tu vas trop vite. T'as trop de flagelles. Oula, on a Big Mama. Ah bah maintenant, il est plus si big que ça. Boum. Oula, par contre, toi... C'est juste un peu embêtant. Ok, d'accord, ça a été un peu le sacrifice inutile. On va continuer à manger. Il faut de toute façon qu'on récupère. Ouais, non, là par contre, c'est pas cool là, la course-poursuite. Il va falloir que j'appelle ma moitié. Évidemment, elle est dans l'autre sens. Elle est là. Donc, on va pouvoir modifier notre petite cellule toute moche et la rendre un petit peu plus jolie. Parce que là, clairement, c'est pas la joie, surtout qu'il n'y a pas assez d'éléments. Allez, atelier des cellules, c'est parti. Donc on va mettre le clou. Donc souvent, je mets ça comme ça, et comme on ne peut pas superposer, ouais. Voilà, du coup, je mets les bouches sur le côté. Attendez, on va essayer de les rapprocher le plus possible. Yeah, voilà. Peut-être diminuer un peu la taille de la cellule. On va mettre un gros flagelle. Voilà. On va mettre un gros clou. Bon, par contre, j'ai clairement plus assez d'ADN. On va mettre des yeux pédonculés. Je préfère ça. C'est plus marron. Par contre, du coup, on va réduire un peu la taille du corps. Voilà. Donc au niveau de la peinture. Oula, quelques bugs. Ça bug un peu. On va prendre un truc en vert, c'est bien. On va mettre ça.
Ouais, allez, on va essayer avec ça. Par contre, on voit rien. Faut qu'on la nomme. On va faire random parce que j'ai absolument pas d'idée. Ononius. Oh, c'est pas... c'est marrant, ça fait penser à des oignons. Allez, go. Ononius. Au pire, on pourra changer plus tard. Oh my god. Elle est verte. Boum. Reviens là. Boum. Manger. Non, tu me laisses. Allez, viens. Voilà. J'ai mangé faim. Voilà, hop, niveau au-dessus. Wow, wow, wow. Alors, lui par contre c'est hyper intéressant, il faut que je le tue. Voilà, nouvel élément. Surtout que c'est l'élément le plus casse-pied à avoir, je pense. Ladron, qui a une vitesse largement supérieure au flagelle. Bon, par contre, c'est pas qu'il m'énerve, mais... ouais, en fait, il me tue à... Quand j'essaie de le bouffer, c'est pas possible. Ladron, ça permet d'aller super vite. Alors, lui, il a des flagelles ou c'est... ou c'est des vibraciles. Bien voir. Je vais essayer de le tuer. Non, c'était des flagelles. Sinon, il aurait donné l'élément. Par contre, il y a des sacrées cellules en fond, là, on les voit. C'est absolument énorme. Allez, venez là. Faut que je trouve de la bouffe. Oula, elle est en fond ou elle est... Non, là, elle est au même niveau que moi. Faut que je la tue, c'est une géante. Faut que je me méfie du poison. Voilà. Si je me mets bien en face. Voilà. Bon, par contre, elle a pas donné le poison. Pas grave, de toute façon, j'ai augmenté en taille. Ça va très bien. Alors toi, si tu pouvais pas aller trop loin... T'as un objet qui m'intéresse vachement. Mais d'accord, je vais me faire clouer sur place. Alors poison, ça serait plutôt cool si tu pouvais ne pas aller trop loin non plus. Ou alors si tu pouvais te faire bouffer. Fais-toi bouffer plutôt. Nickel. En plus, ah non, c'est pas le bon, j'ai eu les 6 vibratiles, c'est pas celui que je voulais. Et tire-toi toi. T'arriveras pas à me bouffer, par contre moi j'arriverai à te tuer. Voilà. On va se tirer de là, parce que c'est le bordel. Je vais essayer de pas crever. Tiens, viens là. Voilà, j'ai récupéré normalement poison. On va récupérer un peu d'ADN pour se régénérer. Non, mais... Te fous pas un poison non plus. Voilà. Wow. Oh la salope. Ah, désolé pour ces mots vulgaires. Je vais me venger. Je vais clairement me venger. Tiens, voilà, pense à... En plus, c'est toi, non? Elle va trop vite. Bon bah je vais me venger sur une version miniature. Sauf si je la retrouve pas. C'était pas toi. Sinon je t'aurais double. Attends-moi. Et je suis censé être plus rapide que toi quand même. Hein. Voilà. Nickel. C'est au niveau du dessus. Oh, j'ai récupéré la bouche omnivore. Bon, par contre, là, je vais me faire très vite tuer. Voilà. Ça a été n'importe quoi.
Je vais peut-être accéder à l'atelier des cellules. Parce que pour l'instant, c'est n'importe quoi. Allez hop. Ah, j'ai pas assez quoi. On peut virer la trompe. Ah, c'est plus cher. Je vais mettre le poison, c'est toujours utile. Par contre, j'ai clairement plus assez. Bon, bah allons-y alors. Allons-y. Avec du poison, ça devrait aller mieux déjà. On va pas avoir trop de problèmes. Tiens, reviens là. Hop. Bouge pas toi, petite bébête. Bon, on va s'occuper de cela alors. Reviens là. Reviens là. Oula. Il y a une grosse bestiole. On va éviter de s'en approcher tout de suite. Dans un courant là. Pas facile. Ah, évidemment, je prends le contre-courant. Il y en a un autre là. Ok, d'accord. T'as pas envie. On va aller voir ailleurs. Tiens, toi. Te barre pas trop vite. Oh, pff. J'ai vraiment du mal à trouver de la nourriture. Surtout que je me traîne. Mais complètement, quoi. Alors, on va manger celui-là. Tiens, tire-toi. Allez. Non mais... Tu veux pas me lâcher? Lâche-moi. Voilà, ça y est. Ah bah dis donc, c'était pas facile de se débarrasser de ce gros lard. Il me reste un élément, c'est l'électricité. Ah. Niveau supérieur. Voilà, voilà l'électricité. Hop. Il y a de la boue, par contre je suis poursuivi par une saloperie. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Faut se tirer de là. Non, je voulais manger. Voilà. D'accord, je me suis fait mal sur les pics de la bestiole morte. Ok. Là, faut que je méfie, parce que un dernier coup, je suis mort. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Allez, on est reparti. Allez, tourne-toi, je vais te venir te chercher, de toute façon. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Oh, la vache. Voilà, finis-le. Non! C'est trop casse-pied, quoi. Faudrait qu'ils arrêtent de courir comme pas possible, j'en peux plus. Allez, il te reste plus beaucoup de vie. Je suis à 17, il me faudrait ladron, tout simplement. Il faudrait juste ladron, ça suffirait. Voilà, la nourriture. Allez. Allez, pousse-toi. Voilà. On va chercher la bouffe. Ça, c'est fait. On est à 20 en ADN.
Faudrait que je monte un peu plus. Quoi? C'était moi. Allez. Tu vas passer la casserole. Voilà. Bon, là, clairement, il va falloir que je mette l'électricité si je veux pas me faire tuer. Tout bout de champ. Allez, on va manger un peu. En plus, il me faudra ladron. Oh, il me faut trop de trucs. J'ai clairement... J'ai pas assez d'ADN. Ah, là, par contre, c'est bien. En plus, t'as juste... Aïe! Il n'y avait plus d'électricité. Non, il y avait plein de bouffe. Ça, c'est dégueulasse. Vite, pétez ces bulles. Ils sont trop casse-pieds, les bulles noires. Peut-être que j'atteins... Ouais. On devrait y arriver sans, sans redemander l'atelier des cellules. Hein. Ça devrait aller. De toute façon, elle ne dure pas longtemps, cette phase-là. On va l'expédier. Ok, d'accord. Il faut se méfier. Voilà, c'est exactement de ça qu'il faut se méfier. Ah! En plus, ça les a tués, quoi. Oh, la blouse. Ça a fini par les tuer. Ils sont hyper agressifs et en plus, ils attaquent en groupe, quoi. Bon, l'ADN qu'on a en plus, ça nous permettra de... d'avoir un meilleur équipement pour le passage à la vie terrestre. Encore une fois, je vous invite à regarder les épisodes de la saison 1. Si vous connaissez pas vraiment le jeu, ça sera plutôt bien. Voilà. Hop. Il y a plein à manger. Mais... lâche-moi. Boum. Étire-toi. Ils font super mal. Voilà. Te manger, c'est pas facile. Ok, je vais laisser tomber cela. Il commence à m'énerver. À s'attaquer à des bestioles un petit peu moins dangereuses. Tout que là on est dans la catégorie des plus grosses cellules. D'ailleurs on le voit, il n'y a plus de cellules derrière avec des coquillages. Oh, il commence à m'énerver, ils sont en train de me tuer. Voilà. Ah bah voilà, ça y est, on est arrivé au bout. Des jambes et la terre ferme. Bah allons-y. C'est parti. Bon, on est clairement carnivore. On va essayer de remonter un petit peu vers les omnivores. Je vais essayer de faire un économique. Donc le but, c'est vraiment de maintenir omnivore. Je l'ai pas fait du tout pour la période cellule, mais il y a... c'est parce que la période créature dure quand même pas mal de temps. Donc on va en profiter. Alors, il me reste combien de temps? 1 minute. Bah, je vais commencer à faire un petit peu la créature. On va faire un truc, on va tout virer. Non, on va garder les yeux, parce que les yeux sont là. On va virer les yeux. On va tout virer, et on va repartir du début, quitte à faire un épisode un peu plus long pour une fois. J'ai une petite idée. On va faire un truc bizarre, hein. Clairement. Boum. On va peut-être réduire un peu. Bon, en tout cas, homogénéiser un peu le truc. Ah, excusez-moi, ça fait du bruit derrière, c'est normal. C'est mon alarme incendie qui se déclenche, mais c'est parce que ma mère fait le repassage. J'ai peut-être... Non, et puis il y a trop de bruit, j'ai coupé le temps que les bip-bip se terminent. Allez, je vous retrouve tout de suite. Excusez-moi, problème réglé. Bah décidément. Allez, on était sur la création de perso. On va le finir avant que l'épisode se finisse.
faire un truc vachement bizarre. Ouh. Oh la vache, c'est un peu n'importe quoi. Allez, on va partir avec ça. Oh mignon, oui, il est trop mignon. Va mettre une bouche. Jolie petite bouche. Par contre, s'il faut que je fasse les deux. Oh, et puis j'ai la flemme en fait, je vais essayer de faire. J'ai un peu la flemme de devoir me taper des. Du social avec les. Les créatures. Bon, on va essayer d'en faire un petit peu au début, mais. On va être laissé libre, y aura-t-il. Oh! Oh que c'est bizarre. Oh que c'est bizarre. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Oh qu'il est bizarre. Alors là clairement je crois que j'ai jamais fait de bestiole aussi bizarre. Alors au niveau de la couleur, on va peut-être changer un peu. Il y a cette tête là. Ouais, là, ça va. On va peut-être mettre ça plutôt. Ouais, ça va. On va peut-être la rendre aimée plutôt que Ononius. Ozma. Ozma, ça va très bien. C'est parti. Bon, bah voilà. On a fini la phase cellule en un épisode. Bon, un petit peu coupé, je suis désolé. Enfin c'est pas grave hein. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous!